7h du mat, à la fraîche. On parle dans la vie réelle, 7h du mat. Mais ça fait du bien. Voilà. C'est tout ce que j'ai à déclarer. Merde, j'ai oublié d'accrocher le micro comme hier. Minute. Alors. Des lieux. Oh, je reviendrai sur le... tunnel de mine en ruine. Problème, ils sont légion. Oui, là c'est possible. Ouais, je vais être contraint d'être subtil et de les provoquer avec l'arc. Pourquoi je m'en sortirais pas? Ils sont tellement nombreux que je suis obligé d'en toucher un. C'est quoi cette merde? Mais ils viennent à 50. Oh putain.
J'ai vraiment un problème. Non mais ils sont trop nombreux, je peux pas les passer par ruse. C'est impossible. C'est impossible. Là je suis dans la mouise. Ah, pas mal. Il y a du dé. Ça pourrait être pratique la vision nocturne, mais j'ai rien pour le pour la santé là. Ok. Bon. J'ai un gros problème. J'arrive même pas à me soustraire d'un seul. Ah, c'est quand même terrible de faire le constat que j'ai pas le niveau. Je peux faire un truc, on va dire momentanément drôle, mais... C'est quoi? Ah si. Complètement dément.
partie que j'avais pas faite. C'est la partie que j'avais pas faite. Ah, c'est pas mal ça. C'est pas pour me déplaire. Ah, je peux peut-être perdre du poids en faisant un peu d'alchimie là. J'avais la dite bombe de rat. Alchimie accrue, vous devez tâcher témoigne de votre zèle à mélanger des potions et à découvrir leurs secrets. Vous êtes désormais un compagnon en alchimie. Tous les ingrédients des potions ont 4 effets potentiels. Vous pouvez désormais identifier automatiquement les 3 premiers effets. Oh, génial. Ah, c'est bon ça.
pas aussi costaud. Du coup, j'ai rien pour la santé, je crois. Je vais me faire avoir. Je vois mon ennemi. Voilà. Si c'est pour à côté des flèches, non merci. Putain, il m'a fait peur ce con. J'ai cru qu'il était revenu à la vie. Wouah, j'ai eu des boules. Voilà pourquoi.
je peux pas tout prendre parce que sinon je vais me surcharger. J'en prends la moitié. L'aube ou le crépuscule? 9h de l'après-midi, c'est le crépuscule. Merde. Mon cheval. Il faut que je file en ville dormir à l'auberge. C'est la bonne direction. Bonjour. Hertor recommence à causer des problèmes à la guilde des mages. Apparemment, ces expériences se soldent toujours par des explosions. Notre ville avait bien besoin de ça. Un autre mage téméraire. Au revoir. Bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce qu'il y a, le moutmout? Tu veux rentrer dans la ville, le moutmout? Comment allez-vous? Mais je vais pas bien. Ouais, je vais changer, je vais aller à l'autre auberge, comme l'autre orque, elle est désagréable là. Je vais aller ici, tiens, là où il y avait le mec avec la ligne route. Bienvenue à l'auberge du Veld Occidental. Je suis Erina Giranus, la propriétaire des lieux. Si vous souhaitez manger ou louer une chambre, venez me trouver. J'ai une jolie chambre au coin, si cela vous intéresse. Elle coûte 20 pièces d'or la nuit. Punaise. Excellent. Je pense vraiment qu'elle vous plaira. Montez à l'étage. C'est la porte de droite au fond du couloir. Dormez bien. Ah, merci. Au revoir. Bonjour. Else Aïdieu. Oui, je déteste les dieux. Tous, jusqu'au dernier. En ce qui me concerne, ils peuvent tous aller se faire voir ailleurs. Et si ça ne vous plaît pas, vous n'avez qu'à faire de même. Mais qu'est-ce qui lui prend? Des rumeurs? À mon avis, il faut s'attendre à des temps difficiles. La mort d'Uriel Septime et de ses héritiers change tout. Ok. Et le fameux Glatir? C'est un fou furieux. Je suppose que vous posez la question parce qu'il a fait quelque chose de bizarre. Comme quoi? Oh! Comme vous lancer des obscénités à la figure, ou comme porter exclusivement de la fourrure pendant toute une année, ou attendre à l'extérieur de votre maison chaque matin. Vous ne trouverez d'ailleurs personne d'autre en ville qui l'admettra. Oh! Il est inoffensif.
Nous sommes habitués à lui. Inoffensif. Ah ! Un jour, il craquera. Et alors, on verra ce qu'on verra. Ok. Bonjour. Elle est... waouh. Cette baie vitrée. Bon, je préfère les chambres avec de l'intimité, mais là je ne tiendrai pas. Mais en plus le lit est double place. Cool, je vais pouvoir porter plus de matos. Je me suis musclé. C'est bon ça. Ah oui, oh punaise, 275, je suis passé à 200 de capacité de port de... Waouh, c'est pas un petit... un petit avantage. J'ai ramassé de ces trucs. Faut que j'aille voir un marchand. Merde, il est pas ouvert. Franchement, c'est stylé. Bizarre.
Bonjour. Salut. Oui. La guilde des mages fonctionne comme avant, mais elle a perdu pas mal de membres lorsque la nécromancie a été interdite. Jetez un œil. Vous ne trouverez pas de meilleur prix dans tout Amriel. Bonne chance pour trouver Hertor. Ça présente bien. Salut. Salut. Salutations, invocateur. Uras, le berger, prend vraiment soin de ses moutons. Et qu'est-ce qu'il peut aimer le fromage ? C'est un plaisir de vous voir. Un point difficilement imaginable, en fait. Il n'y a pas de doute, il adore le fromage. Et aussi les moutons. Le fromage et les moutons, c'est tout ce qu'il aime. Oui. Glartir a un comportement encore plus étrange que d'habitude, vous ne trouvez pas ? Je suis bien d'accord. Il est toujours en train d'écrire dans son petit carnet de notes. Parfois, j'ai l'impression qu'il me surveille. Au revoir. Adieu. Que voulez-vous ? Pas commercer, pardi. J'offre les meilleurs produits de tous Cyrodiil, au prix les plus compétitifs. Youpi. Vous avez gagné. Vous avez fait une excellente affaire.
Je fais toujours des bons prix à mes bons clients. Excellente transaction. Cela me semble être un prix. C'est un prix équitable. Donc lui, il vend vraiment tout. C'est un plaisir de pouvoir vous servir. Adieu. Je peux pas repartir à la guerre. Oui, non, il me faut un forgeron. Là, je suis dans la mouille. Mon matos s'est complètement poussillé. Forgeron. Bonjour. Oh, yo. Non, pas le boulanger. Forgeron. Qui est le forgeron? Et merde. Ayez pitié d'un vétéran de la guerre. J'ai tellement faim. De la guerre, tiens. Merci, chère madame. Anu vous bénisse. Que puis-je pour vous? Réparer mon armure, je te prie. Je peux réparer tout ce que vous cassez. Oui. Merci. Des rumeurs? J'ai vu Gak Gramogak un peu plus tôt. Du moins, je crois bien que c'était elle. À moins que ça n'ait été sa sœur. Allez, ciao. Au revoir. Y a-t-il? C'est bon de vous voir. Je m'enfuis,
Ah oui, merde, j'ai perdu mon armure. Mais voilà, je suis pas au combat. Oh, est-ce que je l'attends de faire le ménage dans la grotte des plats désolés? Le cheval va attendre ici. Ah ouais, on est tranquillou. Allez, courage. Nous pouvons le faire. C'est pas idiot de faire une approche arc et flèche. Oh la vache. Non mais sérieusement, ils sont... C'est un cauchemar. Ben c'est bête, mais je crois que je vais pouvoir plus me les faire, mais comme ça, dans l'escalier reculant. Ah oui, c'est vrai, la capture d'âme. Il faut que j'essaie de la faire.
pas 3, j'ai pas vraiment compris, mais... Qu'y a-t-il associé ? Associé ? Voilà, ton dernier pour moi. Ils sont tous partis ? Je peux sortir de la grotte ? Oh, merci. Je vous suis très reconnaissant. Vous retournez à Skingrad, n'est-ce pas ? Pourrais-je me joindre à vous ? Ce serait plus prudent, je pense. Alors, qu'en dites-vous ? Ouais, suivez-moi. Oh, merci. Vous êtes trop aimable. J'ai un cheval, alors je pense qu'il pourra nous porter tous les deux. Ou alors tu marcheras à côté. La guilde des mages. Les services proposés par l'université Arcane sont tout simplement sans prix. Vous pouvez y créer vos propres ensorcellements. Ah bah, vu comme ça, des rumeurs. La guilde des mages fonctionne comme avant, mais elle a perdu pas mal de membres lorsque la nécromancie a été interdite. Je suis impatient d'être de retour à Skingrad, sain et sauf. De toute façon, je repasserai quand je l'aurai libéré à ramener à la guilde des mages, je repasserai à l'occasion et puis je fouillerai les coffres. Ah, je crois que je me suis trompé. La sortie était où ? Enfin, la sortie était là. Allez, ou pas de course.
ça c'est pas stylé. Attends. Oh merde, je tombe le dos. Ça va, t'arrives à suivre? Ah, je le vois pas. Ouh. Est-ce qu'il me suit? Ah, il me suit. Merde, on est dans les lignes. Bonjour. Glartir a un comportement encore plus étrange que d'habitude, vous ne trouvez pas? Pas la moindre chance. Vous avez entendu des nouvelles en provenance des autres provinces? J'ai entendu dire que la situation était extrêmement chaotique au niveau des grandes maisons de Morrowind. Windoril est en ruine, et les Redoran sont assiégés par les Nordiques de bord de ciel. Morrowind a toujours été un endroit tourmenté. Les choses ne vont pas en s'arrangeant, on dirait. Au revoir. Au revoir. Que voulez-vous? Bon. Prenez soin de vous. C'est un plaisir de vous voir. Comment allez-vous? Fantastique. Merci d'avoir posé la question. Bien. Adieu. Qu'y a-t-il? Il est revenu. Je ne suis pas du genre à dire du mal des gens, mais il est très étrange. Mais tout le monde tolère ses excentricités en ville. Ah, qu'ils sont chiants. Au revoir. Oui, apparemment. Vous n'êtes pas blessé, je présume. Je dois dire que je suis un peu vexé. Oh, épargnez-moi ça. C'est un privilège. Vous avez de la chance que j'ai daigné envoyer quelqu'un à votre recherche. J'ai cru à l'avenir, pourriez-vous être plus prudent? Était devenu de plus en plus important dans l'archipel de l'automne. Bon, oui. Les Altmer. Je vais rassembler mes affaires et filer, alors. Ça pourrait être. Merci de m'envoyer de l'aide. Bon voyage. Bonjour. Au revoir. Bonjour. Glartir a un comportement encore plus étrange que d'habitude, vous ne trouvez pas? Sans le moindre doute. Le Veld Occidental est un bon établissement. Erina Geranus n'est pas la personne la plus amicale qui soit, mais elle n'est pas méchante pour peu qu'on apprenne à la connaître. J'aime bien le Veld Occidental, mais je préfère éviter sa propriétaire.
Bonjour. Au revoir. Que puis-je pour vous ? Oh mon Dieu, ça parle mal. Recommandation ? J'ai parlé à Erto. Tout semble bien aller pour lui. Beau travail. Je vais faire en sorte que votre recommandation soit envoyée dès que j'ai un moment de libre. Oh, comme je vous l'ai dit, je suis bien occupée. Je vais finir par m'en occuper, rassurez-vous. Oui, ça ne passe pas de façon, j'en ai tant d'autres à visiter. Je suis pas prêt d'être nommé archimage. Hein. À faire du plaisir. Des rumeurs ? J'ignore ce que l'archimage Traven a contre la nécromancie, mais quand il a été nommé à la tête de la guilde des mages, sa première action a été d'en interdire la pratique. Des sorts. Puis-je vous montrer certaines de mes marchandises ? Oh là 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 là. Poussée de chaleur. Qu'y a-t-il ? Vous voulez une visite guidée ? Vous ne voyez pas que quelque chose me préoccupe ? Allez plutôt importuner un garde ou un mendiant. Ils passent leur journée à bavasser de toute façon. Oh. Bon, allez, à plus. Vous aussi. Salut. Que voulez-vous ? La guilde des mages fonctionne comme... Oh non, tu radotes. Au revoir. Au revoir. Oui, force est de constater que ça va être le soir. Donc je pars repartir à l'aventure. Ouais, bah, je vais rester à la guilde des mages, je vais y dormir gratos. Taille d'ombre feuille. Grotte du grisac, grotte du verpret. Oh là là. Tant de choses à faire. Peut-être échanger avec l'alchimiste, non ? Je vais dormir dans ce lit. Ça me changera. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah. Oh là là. Ah oui, je suis affecté. J'ai une maladie.
Merde, je suis bientôt prêt à passer déjà au niveau supérieur. Ça va vite. Ça va vite. Oh là là. Ouais, j'ai toujours pas capturé d'âme. Porte d'oblivion fermée, zéro. Ouais, j'ai pas commencé la quête principale. Ah, des investissements au magasin. Putain, je me souvenais pas qu'on pouvait faire ça. Black D 34. Oh mon dieu. Ouais, faut que je me guérisse des maladies là. C'est la résistance, la maladie. Pas la... Voilà, guérison de maladie. Faut que je fasse un truc à base de racines de mandragore. Ah, mais je peux avec la tourbe du berger. Bah, c'est tout trouvé. C'est tout trouvé. Avec la racine de mandragore, je serais. Et ben voilà. Si j'ai encore des manus, pas complètement, mais j'ai encore des manus. Il faudra que j'aille dans un hôtel me purifier histoire de me débarrasser de tous mes malus. C'est à quel sujet? Poursuivez, je vous prie. Mais il est 3 heures du matin, par ça tout va bien, des rumeurs. La nécromancie a été bannie à la guilde des mages, et celle-ci refuse tout contact avec les personnes qui la pratiquent ouvertement. Ah là 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 là. Bon allez, je reprendrai un peu plus tard, faut que je bosse aujourd'hui. À bientôt. Je reprendrai peut-être une petite heure entre midi et deux.